ainsi que le Marie-Antoine. Bonjour. Bonjour. C'était pas ma voix en fait. Je tiens à le dire parce qu'après il m'a dit ouais, mais vous avez vu que Magnette il a encore une voix tout bizarre. Non, mais si c'était sa voix, vous croyez qui depuis le temps? Vous voyez bien que le filou c'est lui depuis le début. Hein. Je suis le filou. Ah, oui. Et qui es-tu donc pour dire ça, Tavernier? Je suis un barman auquel on peut faire confiance entièrement. On pourrait dévouer sa vie pour moi. Y a pas de souci. Je vais arrêter de fréquenter votre établissement, Tavernier. Faites le malin. On va avoir des consommations gratuites. voilà. Ouais, je lui paye des bières et voilà. Voilà comment il me remercie. Ah. Après, je m'endors là. Et après, j'ai plus joué parce que je suis bourré. Voilà. La consommation d'alcool est très dangereuse pour votre santé. Comme ça, on ne sera pas spoilé, on ne saura pas. Oh mon dieu, ils font de la pub pour l'alcool. Non. C'est pas bien. L'alcool, c'est mauvais pour la santé. Buvez de l'eau. Bon. Trêve de conneries. Je t'attends. Je t'attends aussi. Impatient. J'attends que mon jeu m'attende. Ah. J'attends mon jeu. En fait, il attend même plus que son jeu, il attend que son ordi. Parce que je vois que le. je vois qu'il a des sérieux soucis, Magnette, là, aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui, non. C'est... Il serait peut-être temps d'investir dans le nouvel ordinateur, Magnette. Mais j'attends de gagner le jeu concours matériel.net. Il attend les concours, hein. on est mal barré. Ouais, je pense que. Est-ce que tu penses aux abonnés hein, qui regardent les vidéos et qui t'attendent là? Là, ils t'attendent. Ah, c'est pas moi qui caste. Du coup, on essaye. C'est toi qui caste, donc moi. Ouais. Je peux traîner du pied. Et moi, est-ce que je t'attends pas? Je peux être le boulet du groupe, je peux. C'est pas, y a pas de souci, hein. Y a aucun souci dans ça. Et moi, je t'attends, comme toujours. Magnette, on va rejouer notre combat. Ah. Allez, rentrez, je vais terminer. Bon, ben, la dernière fois, nous avons fait les quêtes secondaires. Maintenant, il ne reste plus que la chasse au faux cardon. On a fait les quêtes secondaires. Enfin, on a fait les quêtes secondaires qui sont faites. Nous, on va en avoir beaucoup d'autres. Ça y est, tu es là? T'es content? T'es arrivé? Tout petit. Bon. Oui. Je suis pas petit. Avec la bonne taille, c'est quand les pieds touchent le sol. Ouais, ben ils ont un peu du mal à toucher le sol quand même. Ah, faut que je joigne, j'avais pas fait ça. Non. Y a-t-il une machine? Non, il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine dans cette ville. Amuse-toi bien, surtout! Non. Ah, mais. Je vais vous avoir. Alors, vous voyez la technique pour tuer un adversaire? Vous approchez discrètement derrière lui. Discrètement. Alors, merde, il m'a vu. Ah non, c'est son dos. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on ne tue pas un adversaire. J'avais qu'une seule question à vous poser. Une seule. À une époque, nous étions ennemis. Tout cela est loin derrière nous. J'ai beau être ravi de tous vous voir à Sanctuary. Je sais que vous êtes là, faute de mieux. Je sais que l'heure est grave. Je sais que l'armée de Dieu a laissé cette planète comme une déficiente tombe de sable. Il faut surtout bien vider ici, c'est là où il y a les coups critiques. Quand j'ai rejoint la lance écarlate, mais que c'était. Hé! Pourtant, qu'est-ce qui se passe? Le mec, t'as le feu au cul. Mais ce combat contre Hyperion, il est bien réel. Sinon, nous ne faisons pas. Vais le manier. Allez, c'est vrai que j'avais récupéré toutes tes armes et du coup je suis surcheaté. Et oui, c'est vrai que tu es cheaté, tu as tout volé. Je vais tout voler. Tandis que moi, vous voyez, je suis un pauvre petit gars qui est très peu équipé. Fermez vos gueules, les pillards. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Magnette. je regarde même mes têtes. Il y a des têtes. C'est très 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 joli. Ah oui? Tu vas regarder. Allez, you spawn. Ça y est, on a fini de t'attendre. C'est bon. T'en es filé une. Alors. Non. Oh, ce sniper est dur. Voyons voir. J'ai toujours du mal à trouver des armes, j'ai l'impression.
Ah, vous parlez de ça. Oh, tu m'as... Pardon. Ah, ah, le flou. Qu'est-ce que tu as dit? Je voulais récupérer mon véhicule, tu m'en as empêché. 30 pas. Mais c'est tellement mieux quand tu as tout. Le covoiturage, tu connais ça, Magnette? C'est moi qui ai une tête de pilote, et c'est pas moi qui conduis. Et c'est moi qui ai la tête de bourrin, et c'est moi qui conduis. Et bon, les nains sont tous des bourrins. Il connaît ça, le covoiturage, Magnette? Ah, ah, le mur! C'est là! Oh! Sauf que quand je fais du covoiturage, je conduis mieux que ça. N'est-ce pas? Pas sûr. On va faire du créneau. Ah non, on peut pas faire un créneau, on peut pas rentrer. Allez, viens, Magnette. Comment on fait pour sortir du créneau? À eux. Hello, oh merde, il est résistant. Oh là là, on est dans la merde. Bon, ben je fais comme d'habitude, je reste loin. Et moi, je bourrine dans le tas. Wow. Les barres. Laissez-vous passer, s'il vous plaît, laissez-vous passer. Nous ne sommes que d'humbles voyageurs. Je souffle. Adieu, Magnette. Je suis puissant, moi, pour moi. Non, heureusement que je suis là pour tout faire. Hein. Ah. Dis rien. Sale quoi? Dis rien, Magnette. Les caisses, je pense que dans ce live, tu ne toucheras aucune caisse. Mais... Ah non. Non, je rigole, bien sûr. Mais je fais ça que pour les abonnés, je fais pas ça pour toi. Heureusement que vous êtes là, vous avez vu comment il est avec moi. Tous les jours, il est comme ça. Mais oui. Tous les jours. Tous les jours. Trop méchant. À chaque fois qu'il y a du chocolat, c'est pour moi. Allez. Continuons. Je visais le mec qui était derrière toi. Ah. En plus, t'as tellement bien visé que toutes les balles ne m'ont pas touché. Bienvenue dans une nouvelle zone. Le faucon est quelque part par ici. Sois sur tes gardes. Après Jack, le faucon est la personne la plus dangereuse de cette planète. Enfin, s'il y a bien quelqu'un qui peut le battre, c'est toi. C'est bizarre. On dirait que les sans-pitié veulent attaquer le repère du faucon ardent. Ils ont sûrement laissé des indices pour guider les renforts. Ils devraient te mener jusqu'au faucon ardent. Ou sinon, tu n'as qu'à suivre les hurlements. Reste en dehors de ça, chasseur de l'arche. Ça se passe entre les sans-pitié et le faucon ardent. Lorsque le barbare est dans la peau du derge, on fera payer pour chaque sans-pitié qui a buté. L'ordure, on va le fouetter avec son... Bonjour, je m'appelle Stick Barbare. Merci pour tous ces détails. Est-ce que c'est pareil? Oh, les Goliaths. Les Goliaths. Je m'en souviens. Alors les Goliaths, ils ont une particularité, c'est que quand on leur pète la tête, bah, ils deviennent arrangés. Et quand ils tuent leur copain, bah, ils deviennent plus forts. Mais vraiment très forts. Et moi, ce que je m'amuse à faire, c'est de les laisser faire. Comme ça, au moins. Voilà. Comme ça, ça donne un mec surchité et il vient pour nous péter la gueule. Pas obligatoirement, parce qu'il y a un fait. Ah oui. Je sais qu'il y avait une quête dans le jeu où il faut les tuer au corps à corps. Un Goliath enragé. Oui, un Goliath au corps à corps, c'est comme... Bah, c'est comme David et Goliath. Voilà. Il est trop fort. Il est protégé par la rambarde. On ne peut rien contre lui. On ne peut rien contre lui, Magnette. N'y va pas. Il est trop fort. C'est où les panneaux? Je ne comprends pas. À droite, à droite. Je crois qu'on n'a pas suivi du tout les panneaux, en fait. Mais, ah oui, il y a des panneaux. Suivre les panneaux. Mais parce que il faut suivre l'objectif. Ah, je mourrais. C'est pas grave, ça. Merci de me rouler mes frags. Ça va, Magnette? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bordel! Arrête de bouger, arrête de bouger. T'as un peu cramé la gueule. Ah bon, c'est... Wow. Je t'ai sauvé, mais je suis mort. Allez, laisse-moi faire. Ouais. C'est bon. Ah,
moins que je suis là pour rassurer quand même. Wow, en fait je me barre. Bouge pas. Mais il y a trop d'ennemis là. Ce jeu est plein de chien. Ce jeu est plein de finesse. Hein. Une case. Wow. Oh. Je crois que j'ai fait. Là vous voyez, il se transforme. Hein. Combat de Goliath. Alors, qui va gagner? Wow. Je crois qu'il voulait pas que je les regarde. J'ai cassé la tête. Magnette. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait un coffre dessus? Parce que... Je puis savoir? C'était pas fait exprès en fait. C'était pas fait exprès, hein? Et tu peux... Il n'y a rien d'intéressant. Tu te moques de moi? Hein, il a où tu es là? Et où tu es là? Hein, oh, il a failli mettre une baffe. J'ai failli tomber dans le vide et faire devoir faire hein tout le tour du... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Y'a rien. Ah, y'a rien. Non, y'a rien, voyons. J'ai juste pour aller voir le point de vue. Tu veux te foutre de moi? La 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 la. Qu'est-ce que tu veux toi? Alors la technique pour tuer un Goliath, hein, c'est de pas s'approcher. Tout simplement. Ça s'arrête jamais. Monsieur. Et si on continue la quête principale, parce qu'effectivement on n'arrête pas depuis tout à l'heure. Allez, on n'arrêtera jamais. C'est surprenant. Le faucon ardent a déjà causé des ennuis aux sans-pitié, mais c'est la première fois qu'ils organisent une attaque aussi violente contre lui. Je me demande d'où leur vient cette confiance. Le faucon ardent. Mais qui peut donc être bien ce faucon ardent? J'ai découvert un peu. On va lui faire faire des bulles dans ses propres excréments. J'ai découvert un symbole de l'âge. Oh, oui. Une caisse d'armes, je t'attends. J'arrive. Il est trop gentil, Manette. Vous voyez, hein, depuis le début, je le dis, il est sympa. Oh, mais c'est ouvert tout seul. Mais non, non, putain. Mais c'est pas vrai. C'est très très bête. Et t'as découvert le symbole de l'arche, en plus. Hein. Oh, mais. Mais que l'enfoiré! J'en étais sûr! Mais c'est que je comprends plus rien. Ouais, ah! Fais le malin! Hein? Non, je suis pas comme ça moi, j'aime pas la violence. T'aimes pas la violence? Hein? J'aime pas la violence. Hein? Alors? Très bien. Alors? Parce que monsieur a deux armes, alors monsieur. Quoi, tu veux me redéfier? Oui. On est suicidé. Allez. Il est où? Mais il est où ce con? Tu crois que je te vois pas? Je t'ai vu. Non, mais non, arrête. Mais parce que monsieur, ça va mourir au corps à corps. Moi, si j'avais le droit de prendre la distance, ah ben. Ah, mais t'avais qu'à la prendre à distance! Mais je peux pas, j'ai une limite d'arène! Oh, c'est ballot! Hein? Voilà ce qu'on réserve aux voleurs! La mort! Des hypnotiques! Oh, des jolies araignées! Le même.
ça me sent le bordel. Il y a plein de bestioles là. Non, c'est pas moi. Il est tellement bien ce fusil à pompe, n'est-ce pas? Boboum. Oui, aussi, il m'a tué par derrière. Boboum. Boboum. Je suis en train de mourir. Tu souffres? Toujours un peu. Ouais. Donne-moi les pistolets. Donne-moi les pistolets. Je souffre. Tu souffres. Ah. Je souffre. Ah ben non. Ah ben si. Ah ben non. Ah ben si. Oh merde. Oups. Non mais. Je me souviendrai de. C'est pas moi. J'ai pas fait exprès. Très bien. Non. Coucou. Tu me dois 403 dollars. Coucou. Et toi, tu me dois 4 flingues. Eh ben, au moins, ça équilibre, hein, avec les 4 flingues que t'as piqué. Hein? C'est ça. Oups. Je vous promets que j'ai pas fait exprès. Oh, il y a un flingue. Mais. Non, tu veux la jouer comme ça, hein. Ok. Ah bah, de toute façon, bientôt, je serai plein. Ah, mais j'ai trouvé un truc et tu ne l'auras pas. C'est quoi? En examinant les dégâts que le faucon ardent a causé chez les sans-pitié, je comprends enfin. Ouais, allez, on arrête cette guerre fratricide. On s'en fout, on y va, il y a un bruit, il ne faut pas réfléchir à ce jeu. Il fait des smoothies à la purée de bandit. Elle est bonne. Oups. Oh, il veut nous dire son secret. Hop là. Esquive. Ah bah non. Oh, j'ai plus de munitions. Parce qu'il prend toutes les munitions de fusil à pompe depuis tout à l'heure, Manitom. Alors qu'il n'a pas de fusil à pompe. C'est bon. Oh. J'ai une idée. Piou. Il faut les faire des piou. Il m'a fait voler. Mais pourquoi il y en a deux? Il y en a un deuxième? Oh putain! Il faut lui faire des piou-piou. Tu vas mourir. Même pas. Allez, on y va sérieux. Bon. Oh mais pourquoi j'ai fait mon... Regardez-le se battre, se défendre. Pauvre Magnette. Va-t-il y arriver? Eh bien oui. Ah bon. Tu cherches quelque chose, peut-être. Je voulais aboutir à la guerre, mais ça ne marche pas comme ça, j'ai l'impression. Tu voulais quelque chose, peut-être? J'ai l'impression que la guerre est loin d'être finie. Ah, la guerre est loin, est très très loin d'être finie. Très bien. Moi, je suis pas con. Bon, allez, si on arrête. Allez, viens, on va se faire un câlin. Allez, viens. Moi, ça me plaît pas beaucoup, ça, les câlins. Allez, viens, on va se faire un câlin. On va se faire un câlin. Et ben non, maintenant, je suis devant. À moi les coffres. À moi les munitions. À sauver Roland de ce fameux faucon ardent, les pillards écarlates seront pas de vieux os. Je crois que t'as mérité un petit indice. Mon secret concerne la mort de votre résistance de Pacotille. Pour moi, je rigole. Oh, les zéniths de Toku. Oh, je le connais, son secret. Tu le connais, Maniaque, son secret, là? Au bout de Jack. Ah, bien sûr. Un homme tout à fait sympa, n'empêche, ce beau Jack. Oh, moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est le personnage le plus charismatique de ce jeu. Sans déconner. Il est tellement drôle. Faut vraiment vous suivre les conversations. Vous voyez, il nous parle de secret depuis le tout début.
Vous allez voir ce que c'est ce secret plus tard. En plein dans le cul. Pas le secret, la bestiole. Où t'es, Magnette? Où t'es? Où tu vas? Où il va? Oh putain, il cherche encore les coffres. C'est vraiment un enfoiré. T'es vraiment un enfoiré, Magnette. Non, je sais. Moi, je vais faire un essart de Link et Terracide. Moi, je vais. Comme Link, là, je vais. Je vais rager comme pas possible dès que tu vas avoir un coffre. Maintenant, t'es plus mon ami. Où t'es, Gouliath? Où t'es? Oh putain! Aïe! 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 Mais pourquoi il me frappe à moi? Va frapper, Magnette, putain! Ninja! Laissons faire le Gouliath. Oh oh, j'ai fait une bêtise. Non, 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 non. Ah, c'est pour toi. Donc, aussi, tu vous revenez. Ah, bon, ben, j'arrive. Bien sûr, si t'arrives à monter. Hein. Mais. Où il est passé? C'est tellement bête de d'avoir une caisse mais pas pour moi. Mais putain. Mais merde. Mais putain. Mais pourquoi il se... Mais... Allez. Non mais... Mais t'es fou hein. Allez. Oh. Ça m'énerve. Mais t'es fou. Ça m'énerve. Par où il est passé ce con? T'es passé par là? Allez. Oh mon kiki. T'as vu si je t'empêche de monter, en plus t'es bourré. Mais t'es un enfant. Non, je crame. Ouais, merci. Mais putain, laisse-moi passer. Vous avez vu comme il est méchant avec moi. Ok, je prends. Je prends aussi. J'ai eu le labo. À moi le Goliath. Ah, j'ai cassé sa tête. Allez, poule. Poum! Tu vas les exciter et je reste ici. D'accord. Ah. Allez, ouais. N'aie pas peur. Hein. Au revoir! Là, il est encore tué. Saligo! Si tu veux, je vais les activer. Va donc chez Spédice. Oh. Oh, le produit. J'aime ce jeu parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Attention, en dessous. Il est mort. Oh, mais... Méchant. Je veux te voir de l'intérieur. Ça peut se traduire de plusieurs façons, ça. Oh. Oui. Et pas des meilleures façons qu'il soit. Aïe. Les pyros, leur point faible, c'est de viser leur dos. Dans leur dos, ils ont leur incinérateur et si on explose les bonbonnes... Eh bien, ils ont mal. Eh bien, ça fait boum. Enfin, il faudrait que j'arrête de brûler, moi, quand même. C'est chaud. Ça brûle. Qu'est-ce qu'il faisait en dessous de moi? Et toi, qu'est-ce que tu faisais au-dessus de lui, surtout? Ça peut aussi être interprété de plusieurs façons. T'as un ennemi qui tire dessus, je ne sais pas d'où il est. Je ne sais pas où il est.
Non mais j'y suis déjà allé là-bas, Magnette. Non, c'est faux. Il y a rien là-bas. Il y a trois caisses. Pour moi, c'est suffisant. Allez, soyons fous. Tu crois que si on saute dans le feu là-bas, on brûle? Non, même. Non, ça fait rien. Ça fait rien? Ah, mais c'est parce qu'il y a une quête, je me souviens, qui est liée à ça. Une quête qui est fort chouette. Ah oui, je crois qu'il y a être le maître de la flamèche. Oui. Le repère du faucon ardent. Je t'en prie, fais attention. Il doit y avoir des pièges partout. Attends, ici, je vais le J'aurais bien besoin d'un tout petit coup de main. J'arrive. Voilà. Vous savez qu'il y avait un truc. Ta-ta. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un symbole de l'arche. D'accord. C'est ça. D'accord. Cadeau. Oh, il arrive. Wow. Il faudrait que tu te mettes en position de... Voilà. Parce que s'il me tape entre temps... Et oui, parce qu'il est trop con pour descendre, lui. Aïe. Aïe, mais c'est qui fait mal, ce con? T'as vu mon... J'étais encore en mode rapace, hein. Tu le verras. De quoi? J'étais encore en mode mon gros rapace. Hein. Eh oui, t'as voulu me le piquer. Hein. Bon, en fait, ça... Ça m'allait pas comme arme. Mais il y en a un autre! Il m'a bloqué. Il est trop fort! Aïe! Souffre. J'ai déjà vu mieux. Oui. J'ai vu le couleur qui... C'est pour moi, c'est un fusil à pompe. La 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 la. M'en fous, tout mon équipement est bleu. Ben oui, ben justement parce que tout ton équipement est bleu, j'avais le droit à avoir un équipement. À avoir un équipement. Ah, je brûle. Oh. Oh. Ah, je brûle. Oh. Et bordel, c'est quoi ce piège? Mais c'est trop chouette! De quoi? Mon arme. Pourquoi? Merde, je pensais être assez petit pour passer en dessous la flamme. Mais elle fait mal, là. Et elle fait du feu. Oh, ça c'est dommage. Alors fais attention ici de pas tomber. Des magnettes ou des... Pourquoi? Oh, mais c'est vrai! La mélodie des tremblements de terre accompagne mes foreuses qui se rapprochent de l'arche. Ce sont du progrès, baby. Baby. Oh yeah. Oh yeah, of course. Bienvenue dans mon âme. Ah oui, il serait temps de vendre un petit peu. Oui, c'est vrai. Bienvenue à la clinique portable. Et vous avez vu ce fusil à pompe? Pouf. Ah, il est chouette, hein. Ouais. Vous l'aimez, hein. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Très efficace contre le chat. Ah, il est tout simple. Après, vous verrez, on va récupérer des armes qui ont des noms, des trucs, ce sera pas mal. Je crois qu'on s'est rapproché, Foucault Ardent. Ça tire. Vas-y, Magnette, passe devant. Moi aussi. Et là voilà, le faucon marin. C'est Lilith. Salut. C'est un personnage qu'on a incarné dans le premier Borderland, pour une fois. Et copine à Roland. La forme? Les bandits me surnomment le faucon ardent. Il s'est pas chier. Je suis avec les pillards comme toi. Je fais régner l'ordre chez les bandits pour que Roland puisse se concentrer sur Jack. Bref, longue histoire, grosse hémorragie interne. Tu peux me filer un coup de main? Je sais bien, Magnette, que t'es célibataire, mais... Mais c'est moi qui vais la soigner. Non, tu t'arrêtes pas. C'est moi qui vais la soigner.
Va-t'en. Et je le fais à travers toi en plus. Non. Elle n'aura jamais. C'est moi le beau gosse de l'histoire. C'est moi le héros. Toi, tu n'es que le personnage secondaire. Tu l'as vu, on dirait un portugais nain. Et alors ? Les portugais, ils n'ont pas le droit d'être des héros ? T'es raciste, en plus ? Moi, je suis un beau ninja. Avec un. Avec un casque. Pourquoi tu mets un casque, hein ? Hein ? Tu peux m'expliquer ? T'as peur de montrer ton visage au monde ? C'est pour garder l'anonymat. Chez nous, les ninjas, c'est très important l'anonymat. Ah, c'est pour garder l'anonymat, bien sûr. Pour la peine, je vais te donner des rigueurs, moi. Moi, je suis comme ça, moi, je donne des rigueurs, moi. Donc, en plus, tu la soignes pas et tu la drogues. Voilà. T'es un mec. Et tu dis, je suis le héros. Tu penses être le héros en faisant ça, hein ? T'as vu, je la drogue. Et c'est voilà. Comme ça qu'on fait chez nous. Oui, pour se soigner, on se drogue. C'est bien connu. Non, je disais, chez les ninjas, on fait comme ça pour draguer les filles. C'est un ninja avec un casque de moutarde. Tu te fous de ma gueule. Oh, regarde, sa tête. Il est en train de chatter. Ah, il chatte. Elle chatte avec qui ? Oh, mais non. On est petit. C'est mort, en fait. Quoi ? Non, c'est le compte à magnette. Regardez. Ah, il y a des méchants. Tu sais qu'il y a des méchants. Oh non. Il y a des méchants qui viennent pour nous taper. Alors, c'est au moment de tester ça. Je suis au fond du tour. Pour la fin, je me bats. Oh, je l'aime. Je suis désolé de te l'apprendre, dernier, mais. Allez, déjà un coup. Roland nous l'a volé. Je suis sûr. Qui a volé quoi ? Qui a volé quoi ? Il a volé Lilith. Il a volé Lilith ? Oui, parce que Roland, c'est le copain à Lilith. Oui. Et le saviez-vous ? Regardez là sur l'écran. Adoptemec.com. Qu'est-ce que tu fous sur ça, Magnette ? Allez, j'ai trouvé Roland, regarde. Ah, t'as trouvé Roland ? Ouais. On voit lui un POC. Bim, allez, fais pas chier. Allez, j'ai une nouvelle arme, elle est toute bleue, tu peux pas tester. Merde, ici. Allez. Voilà, Lilith est quand même assez chiquée. Qui ? Lilith. Oui, Lilith, elle est un peu chiquée. Depuis tout à l'heure, on regarde Adoptemec et elle est là, elle massacre tout ça. Elle a un écran bleu. En plus. Ah, t'as une tête. En plus, j'aime bien. Hein. C'est des écrans super résistants. Regardez. Les rores. C'est quoi ça ? Oh, un fatal error. Tu veux que je te traduise ? Vas-y, traduis. Attends, je vais me traiter la gueule par. Allez, vas-y, non, mais vas-y, je m'en occupe. Traduis, fais la traduction. Comme ça, je prends ton XP. Fais la traduction, je t'en prie. Ah, malheureusement, c'est du pixel. Je crois qu'il souffre. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais allez sur le site de. Illégal de porno. Vous a cassé votre machine. Pardon, voilà. Juste... Il a... Magnette de nous deux, c'est celui qui réfléchit là, donc il est en train de faire les traductions sur cet écran. On peut dans la tête. Oh, moi t'as pas, je bougerai. Parce qu'il y en a deux. Vous me laissez pas décoder. Je suis en train de faire du code, les amis. Oh merde. Ouais, je vais avoir du mal à t'aider, hein, Magnette. Lilith, aide-moi. Je t'aime, Lilith. Adieu, mon cruel. Non, ça t'aime, Lilith. Faisons une relation à trois, je suis sûr qu'on va. Une relation.
Et après on veut pas me croire quand je te dis que t'es bizarre. Ah wow. Je me suis suicidé du coup. t'es tombé où? Dans le village. Allez les gars. Là je suis porté. Tous les espoirs sont portés sur moi là les gars. Si je meurs, nous perdons. Waouh. Écoute, on peut régler ça à la diable. Au secours. Mais pourquoi ils arrêtent pas de revenir les amis? Oh, une jolie arme. Oh, il est bon. Pourquoi tu l'as passé? Oh putain, il y en a un deuxième. Il y en a un quatrième même. Tu me l'as pas laissé. C'est pas bizarre. Regarde, je te laisse celui-là. Ah. On s'ennuie pas. Tu me disais bien aussi. De quoi? On va changer d'art. Parce que j'aime pas trop la mitraille qu'on a. Ouais, c'est déjà plus cette passe. Trouver de l'iridium. Allez à moi de droguer les vite. Chacun son tour un peu. Je vais appeler la police. Sont de la police. Mais que fait la police? Non. Ton fail a été filmé et vu par des milliards de milliers de téléspectateurs. Hein. J'espère que tu le... Par la Chine entière. Par la Chine entière. Par une seule région de la Chine, mais c'est déjà pas mal. Tu vas avoir des milliards de viewers et on va se mettre au chinois. Ah bah oui. Tu parles un peu... Yandong Bang Nong. Artung. Ah bon. C'est chinois. C'est, tu ne savais pas? Yongnyem, Dongnyem. Yinjing, Yangnyang, Yangnyang. Allez, drogons l'élite. Bon, je sais où il y en a une, mais tu la trouveras pas. Hein? Y arriveras-tu en 20 mois? Arriveras-tu? Mais non, il y en a pas. Vous avez vu cette cupidité? De suite, il a vu que je montais à l'endroit, il est venu directement. Oui, parce qu'on est venu pour ça à la base. Hein? Ah oui, c'est vrai. Vous avez suivi toute l'histoire depuis le début? Mm-hmm. Oui, j'en doute pas. Mmh. On a tous suivi ce qu'elle nous a dit depuis tout à l'heure dans le combat et tout, pendant que Magnette était en train de lire son livre sur cet écran là. Lilith, alias, le faucon Ardin vous a indiqué. Oh mais purée, mais tu me laisses pas lire. Il est pas content. Ah ben je viens d'apprendre que. Moi je vais retourner à Sanctuary, faire en sorte que la ville n'implose pas en l'absence de Roland. Mais d'abord, je vais te téléporter à Bloodshot Stronghold. Non, je refuse. Sans pitié, garde Roland. Non, oh, ah. L'avantage de la surprise. Roland a donc été capturé par les sans pitié, faut bien l'apprendre. Alors, attention, regardez. Téléportation! Mais non, mais putain! Vous avez vu, j'ai un tatouage sur dos. Oui, non, pas celui-là. C'est de... ouais. 3 mètres, c'est ça? Je ne maîtrise pas encore tous ces pouvoirs. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être mieux de t'entraîner. À... Piou, piou, piou! Et au fait, tu t'en sors drôlement bien. Continue comme ça. Oh, bien sûr, je m'en sors très très bien. Un peu c'est l'héroïne du M, mais sinon, elle maîtrise pas. C'est une des héroïnes du M, elle maîtrise pas ses pouvoirs. Mais non. Moi, avec mon alcoolite, c'est bien connu quoi. Que je maîtrise bien. Je laisse la base besogne de faire le travail, mais bon. Eh hey, les gars! Hein? Vous savez ce qu'il oublie, Magnette? C'est qu'il y a un coffre au bout et que je suis devant lui. Un coffre. Oh putain, le coup, il veut me rattraper. Non. Non, 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 non. Ah bah c'est pas pour toi. Mais putain, il m'a piqué. Ah, attends, je vais voir s'il y avait. J'ai bien vu, il y a un prof. Je les ai vus. Ah, j'ai mangé la note. Tu dis pas que c'est pas intéressant. Nul, nul. Mais je prends quand même. Bon, maintenant il faut s'infiltrer dans Bloodshot. Dans Bloodshot Stronghold pour libérer Mr. Renan. Oui, mais attends, est-ce que tu as les extensions magnétiques sur ce jeu? Négatif.
chose qu'il faudra remédier. Car les DLC sur ce jeu, ils sont mais énormes. Mais vraiment, vraiment, ils sont tous énormes. À part celui peut-être de Sir Murloc, mais ça c'est pas encore ça. De Sir Murloc, ils sont tous énormes les DLC sur ce jeu. Il y en a un, ça reprend les jeux de rôle, les DLC. Il est magique. Il a pleuré de rire. Il y en a un autre, c'est dans un désert, et le dernier, je sais plus. Mais c'est vraiment très très chouette. J'arrive. Trop tard. Oh, le coffre. Il n'y a pas de coffre. Cours pas, il n'y a pas de coffre. Salut la Terreur, je suis à Sanctuary. Fais attention, les sans-pitiés se sont installés tout autour de merde. Un conseil, trouve-toi une caisse parce que tu vas te faire canarder. Allez, allons sauver Roland. Bon, là c'est dur. Mais j'ai la solution à tout problème. Je te couvre. Je sais pas si je les touche. Et qui c'est qu'on attend? Toujours le même. Il n'y a que des pyros partout? Non mais je m'avance. Vous croyez que si je me mets bien au milieu, ça va faire pencher les véhicules? Ah mais non, il est rétractable, regardez. Hop là. Ah oui, mais pendant que moi je suis en train de me faire casser la gueule. Oui. Où es-tu? Viens me prendre. J'arrive, attends, parce que j'ai... Merde. Merde. Un souci, j'avance, je tombe. Attends, aïe. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les créneaux. Alors, il faut passer où? Par là, peut-être. Pardon, excuse-moi. C'était un arbre. Ici. Un kilomètre en dada, ça use, ça use. Un kilomètre à mon dada. Waouh! Magnette est un peu endormi. Il voit pas la moitié de ce qu'on fait. Ouais. Ah, bienvenue. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Ah, on peut klaxonner. Merde. Je veux klaxonner. Bonjour. On voulait rentrer. J'ouvre la porte. Ah ah, oh là. Impossible que tu rentres comme ça. Les sans-pitié laissent rentrer que les bagnoles qui ressemblent au leur. Va voir ma sœur dans le vest. Vaut mieux se barrer là, les amis. Oui, mon mitrailleuse. Mais attention, on a le feu aux fesses. On fait que passer. Aïe. Donc on va accéder à The Dust. Qui veut dire magnette? Le désert. Le désert. Alors ça y est, t'es dans le Dust. T'as plus eu de signal écho pendant des heures. Pensais que tu t'étais fait avoir. Mais t'es toujours là. Merde. Cool. On a des nouvelles quêtes ici. Oh, une voiture! Tire, Daniel, tire!
tire sur la bagnole, sur la bagnole. Sur la bagnole. Ah, la bagnole. Il nous défonce la tête. Wow. Waouh. Donc vous êtes dans le Dust, il y a des voitures. Et on va aller voir le la sœur de comment il s'appelle ce con. Bah du garagiste. Pardon, tu disais, par l'arme de défaut. Et c'est comme ça qu'on fait de la pâtée. Ah mais calé. C'était génial. Ah salut, t'es déjà là toi? J'aime bien parce que Scooter il est tout finote et et ah, elle est moelleux. Oh, attends, on prend la quête, hein. On prend la quête, comme ça c'est fait. Allez, je te laisse faire la quête. Hein. Allez. Zone de danger, apporte une arme incendiaire ou explosive. Ça tombe bien, notre fusil à pompe, c'est une arme incendiaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux d'abord faire on va d'abord faire la mission secondaire ou pas? Allez, on fait la mission secondaire. Donc on va aller le changer parce qu'il a été viré, ses potes. Hein, il prend une partie de volleyball, la tête de quoi déjà? À tête de sadique. De sadique. C'est bien, ça. Je me demande si ça rebondit bien. Et pour y aller, rien de plus simple. Ta-ta-ta-ta. On va utiliser ça. Moyen très technique dans le carton. Ah non! Oh putain, j'ai plus de boost! Non! Atterrissage forcé! T'es trop un cobaye! T'es trop un cobaye! Et chope du carburant! Allez, maintenant il faut descendre, de toute façon on est obligé. Il faut aller récupérer des objets. En discrétion surtout, Magnette. En discrétion. Ah putain, merde! Esquive. Pas du tout. Je crois qu'on est revenu. Je crois aussi. On peut arrêter de chuchoter alors. Ouais. Ah! Je suis mort. J'arrive! I went for your life! Mais tu m'as volé mon flag! Dis-le si tu veux pas que je vise. Je ne veux pas que tu vises. Allez, là, parce que je suis avec cette part. En plein dans la tête. Oh merde, j'ai oublié ce Goliath. Qu'est-ce que tu veux? Oh putain, Magnette! Magnette! Un secours! Très bien. Il a pas l'air comme moi. Pas du tout. Bah, il s'est tout seul. Voilà. Où se diriger, Magnette? Il doit y avoir un coffre pas loué. J'ai dû faire. On va changer de méthode. Tu réfléchis tes morts. C'est exactement ça dans ce jeu. Tu réfléchis tes morts. Comment ça, j'ai pas eu. J'arrive. Ninja. Allez, bute-le. Ah. Ah. Ouh. C'est la caravane, éloignez-vous. On vous sert un 1005 au plomb. Ah, t'as des snipers ici, Magnette. J'arrive. Ah, mais maintenant, il est plus. Connard. Mais si, il est toujours.
Moi je fais pas comme toi, je suis sympa moi. Ouais bon ça ça reste à vérifier. Hein. Aïe, aïe. T'as mis son nombre là. Et ils sont où? Et ils sont où les menteurs? Oh, tu sais que j'ai pas lancé le Twitch, putain. Oui. C'est pas bien. Tu fais quoi? J'ai pas mis le live sur sur mon portable. Ça fait que je vois pas ce que les gens ils me disent. Ah mais bravo. Ah oui. Ça non. C'est du sérieux. Je vais me rattraper de suite et je vais le lancer. I'm so sorry. Comme con. Ça fait pratiquement une heure. T'aurais pu me le dire, Magnet. On se savait pas. Enfin, sur ce, je vais aussi régler la question en disant un truc. Donc, je suis désolé. C'est bon, si tu veux me parler, cher viewer, tu peux me parler. Enfin, tu peux nous parler. Mais ne parlez pas à Magnet, il est. C'est... Après, il est content. Oh, il y a un hélico. Les mains en l'air. J'arrive. Ils sont en train de me défoncer, les cons. Tu fous là? Hein? Hein? On bouge pas? Attendez, je reviens. Agnette, il fait du sur place. Oui, non, mais je pendant que son pauvre copain est en train de se faire défoncer la tête. Ah, hein. Oh, il dites-lui que c'est un bâtard. Je trouve plus en fait sur le truc. C'est bête. Il faut que tu tapes le tavernier. Et pourquoi il va. En tout cas, je vois ce que vous dites maintenant, les amis. Donc, n'hésitez pas à papoter. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez voir les rediffusions, il y a ma chaîne YouTube sur Twitch. Oui. Si vous êtes sur YouTube et que vous souhaitez voir mes lives, il y a ma chaîne Twitch sur YouTube. Si vous aimez un petit pouce bleu, si vous aimez pas un pouce vert, c'est pas grave, on accepte les critiques. Mais un pouce rouge. Égal un magnète tout triste. Un magnète tout vert. Et on n'aime pas qu'il soit triste. Il est gentil, magnète, quand même, au final. Wow. Oh putain. Aïe. Oh. Il nous a foncé dessus, ce con. Allez, continuons cette quête secondaire. À kilomètre à pied, ça use. Et je parle du nez, parce que je suis enrhumé. Je vois. Y'a pas d'ennemi, Magnette, tu peux y aller. C'est faux. Oui, c'est faux. C'est dingue. Ouf, t'as des pour toi. Oh merde, je vais le tourner. Y'a quoi, tu m'as dit? Une caisse d'armes ici. Ouais, ça fait là, je suis un peu occupé. Très très bien. Ça t'apprendra. Et comment je vais venir te res maintenant, hein? Tu peux me le dire? Hein? Parce que monsieur cherche d'abord une caisse d'armes avant de tuer les méchants. Mais ben voilà. Et moi, qui se passe? Ben je meurs. Parce que je viens te sauver. Et voilà.
Bravo. Mais il a envie. Mais viens me sauver. Ah, je vais mourir encore. C'est bon. Priez pour vos cheveux. On est un peu à qui tu fais là. Mais Guy, mais pourquoi tu vas dans une épouse? Mais... Allez, on envoie le Goliath en diversion. Faudrait éliminer ces hélicos là. Le bonheur des hélicos, il me semble que c'est leur les ailes. Les moteurs sur les ailes. C'est ça, c'est parfait. Par contre, c'est chiant de viser. Oh, enfin mon arme. Vite, changeons d'arme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on vient de choper un truc très 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 très, très cool. Oui, c'est pour ça que je t'ai laissé, mais tu les hélicos du coup. Allez, mais je peux pas le prendre. Vas-y. Ça y est. Les gars, ça va chier. On joue. Feu. Attends, il faudrait que j'arrive à viser un de ces hélicos. Il a dit j'ai vu. Attends, mais attends. Oh merde. Il y avait un mur, ma nièce. Il y avait un mur devant moi. C'est bon. C'est pas beau ça quand même, ce gendarme. Où il est? Ah, je l'ai. Bon, par contre, c'est pas très précis. C'est pas très 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 utile en fait pour les hélicos ça. Si j'arrivais à le viser, genre là. Mais merde. Arrête de bouger. Je récupère des munitions, je n'ai absolument plus aucune munition. Eh oui. Goliath, brutal ultime. Au secours. Au secours. Au secours. Merde. Oh non, tu viens pour le... Ah, c'est pour ça qu'il faut les avoir ultimes, je me souvenais, c'est ça. Ah moi. Ça donne des armes de badass. Oh. Oh. Presque tout. C'est pas le moment de flancher. Une caisse de lune, enfin une caisse d'armes. Quel est ce nouveau temps? Oh. C'est la peau. Oh. Pistolet. Vas-y, prends, 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 prends. Pas besoin. Mais elle est très très bon. Bon, il faudrait un peu s'occuper de ces hélicos à la con. Si je le chope. Bien, il me fait des feintes. Hein, il... Je lui fais mal avec mon. Touché. Oh, j'ai tué, mais trop tard. Touché. Non. Ça y est, j'ai trouvé enfin un lance-roquette. Ah, c'est... Là, vous avez vu le lance-roquette, quand ça touche, ça fait mouche. Quand ça touche, ça fait mouche. Il faudrait qu'on change cette mitraille. Manque de last ballon. Aïe, le dernier. Allons récupérer le ballon. Super. Maintenant arrose de carburant le filet de volley-ball et bute-moi ce connard. Ah par contre j'ai plus de... Tu as une arme incendiaire ou pas? J'ai des grenades incendiaires. Bah à la limite tu vas mettre le feu au filet avec une arme incendiaire. Ils m'ont viré parce qu'ils trouvaient que j'étais trop débile. Mais tu vas leur montrer hein. Tu vas leur montrer que je suis un gars dangereux, moi! Ah, mais il faut vraiment une arme incendiaire en fait. Attends, parce que j'en ai une, mais. Ah putain, mais ça traverse. Attends, il faut que je reprenne mon ancien fusil à pompe. Voilà. Plus de volley-ball brûlant, ralenti pour vous! Oh, le grand camp! Non,
Non, que toi. Merde, c'est les gars qui m'ont viré. Bute-les. Explose-les. Arrête de bouger, arrête de bouger. Bonjour. En fait, avec sa fusil à pompe, si j'arrive à aller au corps à corps, je vais finir. Et deux. Arrête de bouger. Arrête de bouger, te dis-je. Merci. Allez, ben validons cette quête et je te propose Magnette qu'on en arrête là. C'est ça, qu'on stoppe ici pour ce soir. Voilà, on continuera la suite. Une autre soirée. Une autre soirée. Voilà, l'heure est passée. L'heure est grave. On fait des enquêtes, ça dit. De quoi? On fait des enquêtes. Oups. Ça va mettre le feu au poudre. Allez, validons cette quête et on continuera la quête principale, les amis, la prochaine fois. Je te prends comme ailier. Foutu de faute des missiles, là. D'accord. J'ai rien à te donner. Voilà. Terminé. Bon, ben, les amis, ravi de voir que vous continuez à nous suivre. On se retrouve pour le prochain live dans quelques jours. Sans doute. Samedi. Et voilà. Bye bye. Bisous, bisous.